Oui, je suis Michel Van Popringue, président du Golf Club d'Amiens depuis maintenant 2013. Et j'étais avant vice-président assez responsable du terrain pendant 25 ans environ, et j'ai participé à la transformation de ce parcours de golf qui était très campagnard, si on peut dire, en un parcours de golf de haut niveau qui concurrence de nombreux golfs des Hauts-de-France. Bon, le Golf Club d'Amiens est né en 1925. Dans 3 ans, nous organiserons le centenaire. On s'occupe déjà de cette grande manifestation. Et depuis 1975, on est passé de 9 à 18 trous, et ainsi de suite, avec construction d'un nouveau clubhouse. Et c'est sur 52 hectares que se développe ce parcours, qui comprend donc 18 trous plus 6 trous pitch and putt réalisés en 2015. Ceci nous permet d'avoir une école de golf de 75 enfants, ainsi que de faire des compétitions de haut niveau, tant localement qu'au niveau fédéral, avec des championnats de France, tant pour les dames que pour les messieurs, avec notamment des résultats sportifs assez extraordinaires pour un golf de province. C'est-à-dire que nous avons 4 équipes en première division, aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Le golf attire de nombreuses entreprises depuis quelques années, où nous avons une salle de séminaire de très bon niveau avec Wi-Fi, etc. Tout ce qui peut faire une réunion de travail en visioconférence, par exemple. Et bien entendu, le repas est assuré aussi bien à l'arrivée par un petit déjeuner que le midi, que l'après-midi par un goûter. Et tout cela peut se terminer par des séances de découverte du golf avec nos 2 professeurs qui sont à disposition des entreprises. Enfin, comme dans beaucoup de clubs de golf, il y a les 2/3 de participants qui sont seniors, et notre terrain a cet avantage d'être pratiquement plat. Il n'y a pratiquement pas de dénivelé, et donc ce qui permet de se descendre quel que soit l'âge. Notre senior le plus âgé va fêter ses 100 ans au mois de juin et joue encore un petit peu en voiturette, bien entendu. Voilà, donc je serai ravi d'accueillir les entreprises dans les mois qui viennent et les années. Merci.